Monsieur Marcoux la bonté a quitté sa Gaspésie parce qu'il en avait assez de manger de la vache enragée, travaillait le ventre à terre presque à la longueur d'année pour vivre dans la misère, sainte misère de vérité. Monsieur Marcoux la bonté travaillait depuis des années sur une pauvre terre de roche que le grand-père y avait laissée. S'en allait bûcher l'hiver, faire la pêche durant l'été, marcher par devant, derrière, descendre au lieu de monter. Monsieur Marcoux la bonté, un matin s'est réveillé, à 60 ans mon petit frère pourrait apprendre à marcher, fit le tour de son village pour y vendre tous ses agrès, car demain je plie bagage, mort dans l'âme et sans regret. Monsieur Marcoux la bonté a quitté sa terre de roche, les yeux grands comme des 30 sous, avec 500 piastres en poche. C'est comme ça qu'un beau matin, il s'est établi en ville, à Montréal, rue Saint-Denis, avec toute sa sainte famille. Parlez-moi, monsieur Marcoux, un peu de la Gaspésie. On en parle un peu partout. C'est-tu beau, c'est-tu joli? Moi, je suis né à la ville et je vois depuis des années les plus jolis reportages dans la presse et la télé. Parlez-moi de vos veillées, de gigueux, de tapetiers, ceux qui jouent un rigodon sur une seule corde de violon. Parlez-moi un peu des vieux qui ont une parure bien à eux, ceux qui auraient connu la guerre, le grand-père du bon Dieu. C'est-il vrai que par chez vous on voit des poètes partout, et qu'Ernest Hemingway serait un gars de par chez vous? Mais dites-moi, monsieur Marcoux, pourquoi vous l'avez quitté? Mais je vois sur votre joue une larme, monsieur Marcoux.